Ce qui n'a pas empêché, évidemment, Duchamp de se lancer dans une série de ces grandes mécaniques mobiles. Ici, deux des versions de « Nu descendant un escalier » qui datent 1911-1912. Vous le savez, le « Nu descendant un escalier » sera la toile vedette, au sens terrifiant des choses, de ce qu'on appelle l'Armory Show en 1913 à New York, où New York découvrira complètement ébahi par la médiation de Stieglitz l'art européen d'avant-garde. Et vous savez que ce soit à New York ou dans les deux autres étapes de l'Armory Show, Boston et Chicago, le tableau de Duchamp imité ou reproduit sera brûlé en effigie devant les trois lieux d'exposition où il sera présenté aux États-Unis. Donc les Américains y verront véritablement la réalisation de l'abomination, de la désolation d'une avant-garde qui entraîne la peinture hors évidemment de son champ.